Salut à toutes et à tous, c'est Timour, on se retrouve sur 7 Days to Die, 2 jours après le dernier épisode, ce qui m'a permis d'avancer un petit peu sur la forme, vous allez voir, la forme de la fameuse tour jumelle. Pour la hauteur, je vais rester à ça, j'ai mis une hauteur de plus, simplement, parce qu'en fait, je vais faire une petite porte, on va pouvoir monter par ici, une porte comme ça, on passera à l'intérieur. Et donc, ça permettra d'aboutir là-haut. Ça me paraît pas mal de faire ça. Comme ça, on a une façon de monter qui est différente des échelles. D'autant que l'échelle là-bas va devoir sauter, puisqu'il y aura la muraille. Enfin bref, tout ça, c'est des détails. Après, il faudra placer ici la porte. Alors, ça fait 29 entre là et là-bas. Donc, je sais plus ce que c'était exactement la taille d'un pont-levis, mais j'espère que c'est impair pour que ça colle, sinon ça va être un petit peu décalé, et voici donc la forme finale de ma tour, avec simplement là à remplir ces trucs là, mais c'est avec des petits angles, donc ça pose pas de soucis. C'était très très long à faire, mais on y est. Tiens, j'aurais dû prendre du matos, comme ça on peut direct continuer, parce qu'aujourd'hui on va continuer de construire, et puis on va essayer de se faire quand même une mission, faut avancer. Alors là il y a du béton. C'est déjà fini ou presque. Donc je récupère. Elle avait terminé, j'en avais mis moins. Ce qui fait que voilà, on commence à en avoir déjà pas mal. Pierre pavée, un petit peu moins. Je récupère mes blocs. Ceux-là, c'est pour le fond, je les utilise aussi, c'est pratique. Un petit peu plus de pierre pavée qui est en train de se faire ici. Là, on fait de la poudre et puis après, on passe à l'essence. Et essence, c'est ce qu'il m'en reste. Il m'en reste 10 000. Donc tout va bien. Tout est pour le mieux. Et oui, un truc qu'on va faire, c'est copier cette petite forme là en triangle. Qui permet de remplir. Alors elle apparaît des fois. Faut tomber dessus. C'est elle. Nickel, direct. Et ça, ça permet de remplir les interstices qui manquent. Faut juste la remettre dans le bon ordre. Là, il va falloir la faire tourner. Oh bah. Je tire sur mes trucs. Attention, ça va attirer les crieuses déjà qu'elles viennent tout le temps. Voilà, c'est nickel. Ça se fait tout seul. Oh, regardez, encore des chiens. Mais non. Oh là là, mais c'est joli. Ah, puis à chaque fois que je recharge là, ça fait passer à l'autre arme. Donc ça c'est bizarre parce qu'il y a les chiens, mais ah, il y a aussi une horde. D'accord, ça vient maintenant comme ça avec avec la horde. Ah oui, tu crèves. Crève aussi. Donc 3 chiens. Et puis là, on a la horde qui suit. Incroyable quand même, tous ces clébards que j'ai. Oh, il m'a sauté sur la tête. Vas-y, ressaute. Ressaute sur ma tête. Oh, il est prostré. On aime te voir comme ça. Il se sentait dominé, je pense, donc voilà. Il s'est prostré au sol. Adieu. Eh, vous êtes nombreuses. 5, des quintuplés. Attention. Tu m'auras pas. T'as vu ce que j'ai fait à ta sœur? C'est ce qui t'attend. Je vais voir ton bras un peu. Ah, dommage. On va essayer de toucher les bras pour les faire exploser. Ça marche pas avec toi, hein. Voir ta jambe. Bon bah meurs, allez. Elle était pas marrante, en fait. Et ça y est, c'est passé. Ouais, je vais quand même récupérer la chair. Peut-être qu'après, je dirais, j'en ai pas assez, ou je sais quoi. C'est vrai qu'il faut faire les petits plots, là, pour le jardinage. Et du coup, il y a un point qui approche. C'est good, ça. Ouh, t'es fatigué. Tu m'étonnes.
Donc on a vu qu'il y avait un souci parce que j'ai pas mis au-dessus là-bas. Ah si j'ai mis. C'est pour ça que je l'avais pas vu. C'est logique. Je me disais, c'est bizarre. C'était juste sous ton nez, du coup. On est arrivé là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'en terminer. C'est quand je vais l'élever que je vais voir que je me suis trompé. Ça serait assez énorme. Mais le projet est sympa. C'est un projet motivant. Il y a juste cette forme qui était à copier qui était galère. Vraiment galère, galère. Mais voilà, on est bon. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je renforce. Attendez. Si, il y a un souci là. Un souci de hauteur. Mais j'y pense. Oui. Une hauteur de moins. Donc ça là, ça va pas. Ça, ça viendra au-dessus. Donc là, on va devoir boucher simplement avec ce qu'il y a de côté. Bon, sinon ça va, c'est pas une grosse erreur. À part que là, voilà. Je me lisse. Et à la place, mettre... Bah, je sais pas où il est. Il doit être là, de ce côté-là. Parce que c'est le seul endroit où on a pu le mettre. Sur celle-là, c'est-à-dire cette... Ouais, ce demi-mur-là. Ah, bien sûr, il est pas dans le bon sens. Ok, demi-mur ici. Et puis on foutra notre escalier... Comme ça, dessus, ensuite. Je pense que c'est ça. Il dépasse un petit peu, c'est normal. Il y a un truc qui me choque. Je vais aller voir. Parce que c'est bizarroïde. S'il dépasse, oui, oui, oui. C'est pas choquant. C'est pas choquant, c'est normal. Ok. On sent le gars traumatisé par cette histoire. C'était long. C'était très très long de faire ça. Ah, on remet tout dans l'autre sens. On adore ça. Pourquoi ça dépasse là? Question. Pourquoi j'ai mis 3? C'est pas logique là. Le mur il va pas par là. Là je me suis gouré là. Je viens de m'en rendre compte. Voilà. Le mur il va par là. Donc là pareil. Par contre c'est là que je me suis gouré. Aussi. Donc il y a ces deux trucs là, que j'ai pris, j'aurais pas dû, parce que la forme a disparu. Hop, on copie. Et on va orienter dans le même sens que toi, j'espère que ça va marcher. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc là c'est fermé, parce que maintenant on repart dans ce sens là, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est des petits détails, comme ça, on n'y pense pas. Et après, quand on a tout renforcé, on se dit, eh mince, il y a un problème. Donc oui, là, on est bon. On est bon, et je poursuis. Ok, super. Du coup, le truc, ça va être de monter ça. Mais ce qu'il faudrait que je fasse, quand même, c'est partir en mission. J'ai une mission à faire. Et comme ça, on ferait la suite le soir. La nuit, plutôt, d'ailleurs. Voilà, ça va être ça, la vraie hauteur. On va copier à chaque fois. Et... il n'y aura pas de soucis, normalement. Tout va s'encastrer. Ah oui, sauf que toi, tu vas pas être dans le bon sens. Ah !
Ensuite, à ton tour. C'est pas toi. Ça reste toi. Ah, ils veulent plus se mettre dans le bon sens, là. Ok, on est bon. Du coup, on n'a plus qu'à remplir. Et par contre, ouais, il va falloir réélever ça. Il va falloir réélever ça de 1. Pour justement pas commettre d'erreur non plus, garder la forme. Réélever ce truc-là, tchouk. Et pouvoir combler là derrière. J'espère, on va pouvoir le faire. En fait, je me demande s'il faut pas réélever puis combler avec du cube, du coup. C'est-à-dire qu'en fait, faut que ce soit réélevé, tout simplement. Je dirais qu'il faut que ce soit comme ça. J'en ai même la certitude. On va tester avec ça. Donc on va mettre là. Ensuite, on va récupérer en dessous. Ah ouais, mais j'ai remis le même. On va récupérer en dessous, mais mettre un cube. Voilà, c'est ça. Faut réélever. On élève de 1 à chaque fois, on fout un cube en dessous. On voit que ça va être long, on va s'en occuper tout à l'heure, parce que sinon l'épisode va quand même peut-être être un petit peu rébarbatif. Bon alors, on a ce côté aussi, il faut faire l'escalier. On va s'occuper de ça en revenant, il est 14h25. On a le temps de faire une mission. Je vais vérifier qu'il n'y a rien dans la moto. Il y avait des trucs, on va les ranger. Faire cette mission qui était en cours depuis un bon bout de temps. Et après, on se réoccupe des constructions. Et notamment, bah, on va avancer la tour. Ça va se faire, hein, ça va se faire assez rapidement finalement, j'ai l'impression. Ça va pas être si long que ça. Il y a peut-être eu du spawn de Z. Il y a eu comme un lag. Ok, ça, je le mets aussi ici. On aura ça à ouvrir, faudra voir plus tard. Et toi, tu vas aller là. Et puis donc, est-ce que t'as faim? Un petit peu. T'as plus rien. On va manger une soupe épaisse. Comme ça, c'est très bien. Et par contre, t'as aussi soif. Donc on va boire ça. Plus un autre petit thé avec. Et on est très bien. Balle. Ça à peu près. Est-ce que t'as besoin de recharger? Non. Donc on est parti. 1,2 km. On fait ça en express et on revient pour finir. Enfin finir. Avancer. Avancer. Et je crois que nous y voilà. Alors, je suis passé à côté d'un super camp militaire. Et je me suis dit, tiens, ça doit être ça. Génial. Mais bon, celui-là a l'air pas mal non plus. Oula, on se cogne dans tout ce qu'il y a. Je veux dire, c'était un petit peu le bordel ici. Regardez ça. C'est parti. Allez, on est pressé. Allez, tiens, il y a un truc. Le point. Alors le point, on avait dit qu'on revenait un petit peu sur ça pour être meilleur dans mon cogneur. Je sais plus, mais il faut 2 points. Ça serait bien quoi. Je pense que ça serait bien parce que là je suis finalement pas très haut. Donc faudrait avancer. Je vais mettre ça. J'aurai plus d'XP comme ça. Je prendrai les choses après. On voit une ouverture ici. Ça a l'air d'être le chemin. Aïe! Moi aussi je peux donner des baffes, hein. Ah! Mais dis donc! Mais non! Ah, ils m'ont fait mal d'entrée, hein. Heureusement, j'ai pas eu de blessure. Un truc pété, ce genre de choses. Ça va, les gens?
Nickel. Ils étaient planqués. Bon, là, on aurait deux endroits à visiter. Je vais rechanger de lunettes parce que je me dis, ça ira plus vite de faire comme ça. Voilà. On fait le truc en express. Et on regarde ce qu'on a après. Comme il n'y avait pas grand chose, je peux récupérer ça. Je pense que là, j'avais rien loupé. Et là, on est bon. On peut rechanger de lunettes. Oh, c'est toi. Voilà ce que je te dis, moi. On viendra pas comme ça. Pareil, je prends de la pierre. J'en ai besoin de la pierre, c'est très utile. Actuellement, c'est même le principal. Oh oh! Qui est là? Ça court? Oh, c'est beau avec les lueurs. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Complètement décharnés avec la peau roussie. Oh, les massacres, hein, la vache. Ils sont beaux mais faibles, là. En fait, ils sont absolument laids. Ça, ça se récolte pas vite avec la forêt. Ah tiens, il y a un parquet, là. Il y a une grotte. Je pense pas que ce soit le passage. Mais c'est pour dire, il y a une grotte, quoi. J'ai l'impression. Poursuivons. Oh, dis donc. C'était le POI pour nous, ça. Ok. Et ça, c'est le passage verrouillé. Ça, on peut déverrouiller. C'est immense. On sent que ça va être long à vider. Attends, bah rechange à chaque fois. Petite gymnastique. Et on va péter une porte sûrement pour aller mettre les trucs dans la moto. Comme ça, ce sera fait. Ok. Je monte. Et je récupère. C'est très bien. Bah, je vais finir à peu près cette hauteur-là. Ah bah on redescend. Non, j'en viens. Donc oui, je vais finir cette hauteur. Oula, attention. Changement de lunettes. Allez, on se pousse. T'as tout compris, toi. Excellent. D'accord. On entre dans le vif du sujet. Il y a un petit coffre. Ah, on va changer de lunettes. Terrible erreur. Mais j'avoue que c'est chiant de faire ça. Oh, bah là, il a bien fait. Il a mis ses lunettes et tout de suite, il apprend un truc. Super, et puis... Attends. On va se débarrasser de certaines choses. Je sais pas si on peut faire tout l'étage. Est-ce que ça irait pas plus vite comme ça? Ouais, pas sûr. On va faire ça. Là, ça va vite. Excellent. Pour l'instant, c'est très très bien. C'est une trappe, ça? Même pas. Oh, t'es là. Je vois que la vie est dure. Encore? Sérieusement? Voilà, j'abrège ses souffrances. Ah, c'était ton frère ou ton copain, la vache? Attends. J'ai pas changé de lunettes. Voilà. Ah oui, quand même. Donc, on va démonter les radiateurs.
Ça, on n'a pas besoin de changer de lunettes pour le faire. Tout ce qui est à démonter. Et une fois qu'on a tout démonté, on jette un petit coup d'œil par là aussi. Ça va s'écrouler, ça, peut-être. Non. Ce n'était pas un piège. On repasse aux lunettes de butin. Et tout de suite, vieux sandwich. Ah la vache, cette arnaque. Tac. Allez. Personne. Rien non plus. Tranquille. Pour l'instant, on peut tout faire au point. Hey! Tu viens d'où, sérieusement? Allez, faut que je tape, là. Ah, c'était ça, hein. Il y en a un autre, là. J'avais pas les bonnes lunettes. Terrible erreur. Et toi, tu donnes jamais trop de points, en plus. Enfoiré. Ok. Cuisine, allez. On fait le tour. Et il faudra monter, parfait. Donc là, on va pouvoir vider. Aller à la moto. Ouais, ça va être compliqué même. Faut qu'on se dépêche. Parce qu'on a envie de poursuivre les constructions. Voilà, on regarde les trucs qui sont pas nécessaires parce qu'on en récupère beaucoup. Et ça, c'est pas nécessaire. Allez, hop là. J'entends quelqu'un qui approche. Hein. Ça, je vais le bouffer. Ah bah, je jette, je récupère direct derrière. Normal. Donc je vais rejeter. Ça, ça se stack. Dans l'arrière boutique. Bière et... Ouais, dis donc. Ça se prend, ça. Déjà, attends. Tu vas faire ça. Et puis tu vas voir ça. Voilà, ça fait du bien. Il y a 4 myrtilles qui se battent en duel. Je sais pas où elle est passée, elle. 18h32. Va falloir quand même activer un peu. Fallait s'en douter. Bon, je suis obligé parce que là, il y a encore ce côté-là, je crois. J'ai pas tout fini. Ouais, carrément. Donc, je suis obligé d'aller à la moto, là, qui est par là. Dépêchons-nous. On va se vider là-dedans. Super. Et on repart. Ah, j'ai récupéré ce couteau une nouvelle fois. Tiens donc. Allez. En fait, c'est que du fake ici. Non. Voilà, comme ça, c'est bien. Sac à dos. Oh, il y a plein de trucs. C'était des trucs de merde, mais... Il y avait. Et là, j'avais pas fini. On est ok. Maintenant, faut monter. Oh, ça va forcément gueuler, là. Bientôt. Voilà, c'est ce que je disais. Il va falloir réparer le pont américain. Putain, t'étais costaud, toi. Bah non, puisque je viens de le tuer. Ah, j'oublie une fois sur deux de changer de mot. Choc, 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 on fait le tour. A priori, ça va. Poursuite. Pas par là, mais par ici. Allez. Faut se dépêcher. Comment l'attraper?
J'arrive pas. Voilà. On a bien fait. C'est avec ça que tu dois démonter. Voilà. Super. Et ça, t'avais vidé. On passe sur le toit. Allez, s'en douter. Un petit tir à côté, ça fait du bien. Ils sont trois quand même. Trois placés. Je ne sais où ils sont dessus. Et l'autre est parti à perpète. Oh, cette attaque! Yeah! Bienvenue! J'ai l'impression qu'il y a une petite horde qui est encore de passage. Ah, mais je venais de refaire. On est dans la place. Et tout va bien. Remets de l'essence même. Il y avait un petit passage là. Passage secret. Verrouillé. Bizarre, hein? Aïe! Ok. Ça monte un peu par ici, ça monte encore comme ça, oui, on tombe sur les pics, il me semble. Je vais voir, faut retourner la moto. Par là. Vite, vite, vite. 20h, on n'a plus trop de temps. Après, ça va devenir plus chaud. Voilà, on a tout rempli. Donc on a plus beaucoup de place hein, en même temps. Et j'avais fait un passage ici. Bon, les autres je les laisse taper, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit escalier. Qui est là juste en face. Allez, on reprend son souffle. Ça, j'ai peur que ça cède vite, donc je vais réparer juste ce qu'il faut. Nickel. Je crois que c'est là-bas le piège. Oh, encore des trucs à prix. Excellent. Regardez. C'est là. Il se souvient d'un truc. C'est quand même génial. Hey, c'était chaud ça. Allez, on recule. Attendez les gars, parce que là il y a un souci. J'ai pas les bonnes lunettes. J'ai dit de reculer. Ah, c'est pas bien ce que t'as fait. Surtout qu'il y a plus personne sur qui taper pour récupérer les PV par la suite. Ça c'était caché mais mal. Ah là, elle est vénère. Surtout que ça urge. Et ça je peux toujours pas récupérer. Les poignées de porte. Peut-être j'ai lu le bouquin, j'ai pas fait gaffe. Et toujours pas. On a énervé des gens. Tente pas. Ah, oh, elle est pénible, elle. Eh, hey, dis donc. Te voilà seulement. Enfoiré. C'est pas fini, hein. Et toute la clique qui débarque.
La vache. Je sais, j'ai encore oublié les lunettes. Il y a plein de trucs comme ça. Bon, c'est long, hein. Bientôt 22h. Je pense qu'on va pas y couper. Mais bien ce que oui. Vraiment très sympa. Et je pense que là, j'ai fait tout. Alors, il y a vraiment le Z en bas. À la limite, je peux essayer de stacker. Attends, tu peux pas sauter là. Ok, hop, on va faire comme ça. C'est toi ? Ça remonte pas, hein. Non, c'est pas toi. C'est pas toi qui est tombé. Toi, t'es une intrigue. Ok. Elle a l'air morte. Je pense qu'elle est morte sur les pics. En plus, ils m'ont fait un passage. Allez, vite. On fait ça. Et on peut mettre quelques trucs en plus, c'est parfait. Et puis on repart du même pied, à toute vitesse. Faut escalader tout ça. Mais là, on est du bon côté. Ils sont pratiques, les Z, quand même. On reprend son souffle. Ça reprend pas vite. Est-ce que t'as très soif ou tout ça? Pas l'impression. J'ai plein de myrtilles. Et ça, c'est quoi? De la chevrotine. Je croyais que c'était des mines de tromblon et j'allais les virer. Et on en a pas fini. Hein. Là, on pouvait pas passer. On avait fait le tour, ouais. Et on était arrivé là, je pense. Rien de caché. Démontage. Le rapproche irrémédiable. On va utiliser la corde. Lunettes de loot, enfin. Ça y est, c'est là. Surtout que des gens s'en mêlent. Je viens de voir passer quelqu'un qui courait. La méfiance est de mise. On recharge. Parfait. Et toi, t'étais bien. Voilà. Ok, on alerte un peu tout le monde comme ça. Oui, exact. Eh B! Pas mort, hein. Fais semblant, mais je vais t'achever comme ça. Ça prend pas avec moi. C'était chaud, hein. C'est arrivé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est bloqué. Attention. On va refermer ici. C'était pas toi. Juste en dessous là. Où est-ce que tu tapes, sérieux? On l'aperçoit pas. J'aimerais bien pouvoir en débarrasser tout de suite. Je vais laisser un petit passage. Voilà. Alors t'es où? Et il va me sauter dessus. C'est bien. Il y en a tout en bas qui fait partie des rouges.
Allez vite, j'ai des constructions à faire. Je sais pas pourquoi il fait tout le tour comme ça, il est un petit peu con. Il est à la cave. Non mais sérieux, t'es à la cave. J'ai oublié ça. Je vais l'apercevoir là, de l'autre côté. Ah. Parlez au marchand, yes. Ça fait plaisir. Par contre, faut remonter maintenant. On va se taper toute la remontée. Hey! Alors toi... Qu'est-ce que tu foutais là? Je te prends ta chair. Je perds trop de temps, vite, je veux construire. Je veux faire avancer ma base. Hop, ils ont tout pété, c'est parfait, merci. On peut passer à peu près à tous les endroits. Et on a le loot final à prendre, puis c'est bon. Ouh. Attention au trou que j'ai fait. Il aurait pu être très loin. Un labyrinthe ici. Ouh. Ok, allez vite. On va se monter la muraille un petit peu quand même. Allez, mission 4, c'est long. Voilà. Super loot ici. Tout le monde était bien planqué partout. Grosse mission. Elle est intéressante. Ah, un petit sac là derrière. Ok. Portée, on va se débarrasser de 2-3 trucs parce que sinon on n'aura pas la place. J'ai bouffé. Voilà, il y a un gros là qui arrive. On est bien. On utilise ça. Du coup on aura soif, on boit un petit coup. En prévention. Bah déjà c'est bien. Ok, il y aura ça à déverrouiller. Là, on est pour chasser. Hein. Ah désolé, hein. J'ai des trucs là, franchement, des machins, ça servent à rien du tout. Ouais, puis un chiffon, on m'en fout. Hein. Ouais bon. Je pense pas qu'il puisse arriver là. Je me fais pas de bile. Ok, on est bon. Et par contre, il progresse vite. Hein. Hey! Purée. Progresser vite, c'est ce que je me disais. Ça, ça peut être utile hein, quand même. On va le garder. Hop, on a pris le bécher, on se casse. Allez vite. Faut une descente bête. Par où t'es arrivé? Parce que t'es allé vite. Mine de rien, t'as fait un trou là. T'as trouvé un chemin préférentiel. Que je vais l'emprunter. Ça sent la pâte cassée peut-être. Comme ça, ça va. Moto, moto, par là. Ouf! On est bon là. On a encore un peu de temps. Il y a le chemin, mais... Ouais. 1 km et quelques. Nickel, nous y voilà. On va récupérer des éléments qu'on peut stacker. Oh, ouf. Allez, saute! T'y arrives tout le temps d'habitude.
Et puis, hop, rangement. Là, rangement. Ici, par contre, ça, je vais garder les pièces non. Ça, c'est bien. Poser ces goudes, ça, c'est pour soin. Plus ça, on est pas mal. Et ok. Alors ensuite, construction. On avait besoin de beaucoup de béton, on avait besoin de pierre pavée. On avait besoin des formes. Et puis c'est tout. J'ai gardé le pistolet, ouais, je l'avais gardé. Il y a encore plus de béton. Là, je relancerai le lendemain, j'ai pas le temps. C'est pas bien grave. Et donc ouais, j'avais dit des formes. Allez hop. On en fait 200. Pas d'attaque de cryo, j'espère. On verra bien. On peut rêver, hein. Ce qui serait bien, c'est de voir pour se faire la montée avec des escaliers, déjà. Donc, on va se caser ça là. Prendre la forme escalier. Voilà, une forme simple comme celle-ci. Et on enlèvera si ça va pas. Donc du coup, là, on est bloqué. On va reculer. On va faire comme ça, bah ouais. Ah, attention. J'ai entendu gueuler. Ouais, ça me fait arriver là. C'est parfait. Encore ? Ah non, hein ? Une horde. En même temps, ils ont aucune chance, mais bon. Ça va être peut-être direct. T'as raison, viens jusqu'à moi. Allez les autres, on se dépêche. C'est tout ? Eh non, c'était pas tout. T'as osé taper sur mes constructions ? Sans déconner. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, des hordes comme ça. Peut-être qu'il y en a plus maintenant, je sais pas. Je saurais pas vous dire, mais moi, j'en ai pas mal. Alors du coup, ça nous fait arriver là, et je trouve que c'est parfait. Regardez ça. C'est très très bien. Bon, ce qu'on va faire. On va se renforcer ça, on a décidé que c'était bien. Faut valider, hein, par moment. Faut tergiverser. Voilà, comme ça on aura une petite entrée. Et on pourra se dépêcher d'aller dans la base. Je ferai un trou dans le mur. On mettra une porte. Et puis il y aura une petite plateforme, une échelle. Bah, via la trappe qu'il y avait déjà. Hein. Autant qu'elle serve. J'ai envie de dire qu'elle est là pour ça, quoi. Super. Ça avance quand même là, vachement plus vite que ce que je croyais. Je sais pas ce que vous en pensez. Au départ, ça semblait grandiose et très long, voire impossible. Mais là, on va déjà pratiquement avoir une muraille de fait. La tour, la base, c'était le pire, hein. Il suffit de monter ensuite. Après, il y a la base anti-horde en face, là-bas, à penser. Bon, ça va se faire aussi. Pour voir ici à quel endroit on bouche. Ok, et puis ici... Peut-être que là, on mettra une petite rambarde, vous voyez, sur le côté. Pour pas tomber, quoi. Ça serait logique. Que je pense que je vais finir par tomber de toute façon. Même si ça va encore, quoi. Ok. Allez. Faudra faire peut-être le même chemin de l'autre côté. Ça pourrait être bien.
Ça y est, on voit le jour qui va déjà se lever. Là, une crayeuse. À la gueulée. Ah, tu m'as vu direct. Et voilà. On va se mettre ici. Ah, vous pouvez pas casser mon dispositif. Non, tu faisais trop de balles. Voilà, tu crèves. Ils vont me gêner parce que leur corps va m'empêcher de poser. Ils aiment bien être embêtants. Pour l'instant, on n'est pas allé trop loin. Je pense que c'est bien. Allez, disparaissez, s'il vous plaît. Voilà, vous empêchez la construction de la muraille. On voit bien qu'ils le font exprès. Ok, on en est là. Pour que la montée se fasse sans accroc. Ça ne passe pas. Ça passe. C'est étonnant que ça passe pas là, mais effectivement ça ne passe pas. Donc bah parfait. Ça, ça fait arriver ici. Et là on est comme ça, puis après on va boucher. C'est déjà le matin. Ok, je suis comme ça, c'est très bien. Ça fait vraiment entrée muraille quoi de château. Il n'y a pas de souci. On aura toujours un souci par contre, c'est que ce sera trop haut pour atteindre. Je peux atteindre que cette limite là. La porte elle est là. Et pourquoi pas circuler dans la muraille pour aller vers l'autre escalier aussi, c'est une possibilité. Why not? Super, alors de ce côté-là pour l'instant, je m'arrête là. Parce qu'on est au final pas loin de la porte, je pense. Bon, de toute façon, après, si c'est pas centré, c'est dommage, mais des fois on n'a pas le choix, hein, tout simplement. Là, on est à bonne hauteur. Attends. Ouais, si, c'est parfait. Là, c'est la hauteur, y'a pas de soucis. On a une tempête! J'aurais eu des soucis hein, avec cette fameuse tour là. On a une tempête qui se lève. Ça, ça va rester collé là-dessus. Donc, on avait dit, on copiait. On copiait. On faisait ça. On prenait. Et il faudrait ces cubes là pour aller plus vite. Voilà, comme ça à chaque fois on va surélever. Ça va être comme ça partout en fait. Après on te met au-dessus. Bah ouais, c'est plus simple. Non, on arrive à se tromper. Hein. On arrive à se tromper. On arrive à perdre un petit peu le fil là. Il y a un truc. J'y crois pas. Ça. C'est galère, hein. C'est galère. Comme ça. Ah, c'est parce que j'ai pas copié la bonne forme. Ou alors elle est pas dans le bon sens. C'est toi. Et le sens n'ira pas. Ok. Là, on est d'accord que c'est toi aussi. Hein. On est d'accord. Voilà. Et comme ça, la petite, on la récupère. La petite encore, pas toi. Purée, est-ce que c'est chiant. Elle est là.
Bon, je vais m'arrêter là. On voit que ça va être long de faire ça. Ça va être long et un petit peu pénible, on va dire. C'est pas marrant à voir non plus. C'est pour ça que j'en ai fait un petit peu pour vous montrer. Mais c'est assez galère. Mais alors, après, une fois qu'on est là, c'est bon. Là, il n'y a plus de soucis. On est à la même hauteur que l'autre, pas de problème. Il faut juste répercuter la forme, quoi, en gros. Donc, bah, c'est cool. On a bien avancé quand même, hein. Là, ça prend vraiment tournure. Après, une fois que ça s'est mis, on élève. Et puis là, ça va tout seul. On a la même qu'en face. Par contre, niveau matériaux, il va en falloir. C'est ça, surtout. Mais je pense pas que j'aurais besoin forcément de faire encore du off sur la prochaine fois. On va voir. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, salut !